Jean-Michel est né au Sénégal. Il a passé sa vie à travailler de port en port. Un jour, il a trouvé son bonheur dans la rade de l'Orient, sur le Kierzo, un bateau-bus qui transporte les passagers d'une rive à l'autre. Mécanicien et homme d'accueil, les gens l'ont surnommé « l'homme aux mille bonjours ». Ça va ? Les gens, ils viennent, voilà, je leur parle, je fais des bisous, je tape dans la main. Voilà, c'est comme ça. Des fois même, il y a des gens sous le bateau qui me parlent de tout et de rien. De leur, de leur vie, je dirais pas de leur vie. Mais des fois, je sais pas, des fois ça va pas, ils m'en parlent. Moi, si je peux leur apporter un petit quelque chose, je fais quoi. Ça les soulage quoi. Des fois, juste un contact, un sourire, ça les... Tu vois, les gens, ils sont déjà heureux. Allez, bonne journée. Hein. C'est vrai que s'ils étaient payés au bonjour à la journée, là, ils seraient riches en fin de mois. Hein. Nombre de bonjour à la journée. C'est un moment de sérénité entre la vie domestique et le travail, on va dire. Le matin et le soir, ça fait un vrai break. C'est comme un bus. Il y en a qui prennent le métro. Métro, boulot, dodo. Non, nous, c'est bateau, boulot, dodo. Jean-Michel est second, José est capitaine. La traversée dure 7 minutes entre Locmiquélic et l'Orient. Des petits moments de doux bonheur scellés sur le pont du Kierzo. C'est leur bateau. Ah ouais. Je dirais, en fait, c'est pas simplement un bateau. Il y a des histoires qui sont créées ici entre les gens, au niveau amitié, des rencontres, des petits clins d'œil, des sourires. Ah bah oui, c'est un bateau. S'il pouvait raconter tout ce qu'il sait, ouais. Il pourrait raconter la vie des gens, mais sur, on va dire, depuis les années 80. Il a plein de choses. Il a vu l'évolution de la rade, mais il a vu l'évolution de la pêche. Il a vu l'évolution du monde du travail, des gens, des jeunes. Il a plein de choses à raconter. On rencontre du SDF, ça va aller peut-être jusqu'à l'avocat, jusqu'au juge, mais c'est toutes les 10 minutes sont différentes. C'est comme le temps et comme la marée, en fait. Ouais, Jean-Michel, tu peux prendre la manette un petit peu, là. Il faut que j'aille... Voilà, allez hop, j'amène tout le monde au soleil au Sénégal. Allez, c'est parti. Ce serait bien, hein. Je pouvais amener tout le monde au Sénégal, là, comme ça. Le Kierzo a commencé à prendre sa retraite pour être remplacé par un bateau électrique. L'homme aux mille bonjours, lui, est resté fidèle à la rade, à ses sourires et à sa bonne humeur.